Suzuki est assez calme et relax, peut-être un petit 2 heures avant son combat. Yeah. Tu rentres dans ta bulle à quel moment? Je dis? 1 heure avant. 1 heure avant? Ouais, ouais. C'est quasiment bing, là, tu décides, that's it. En attendant, Relax, relax, parle aux gens. Ça donne rien à te prendre la tête en attendant. Exactement. Je pense même pas à ça tout de suite. Là. T'as l'air bien, t'as l'air calme. Ouais, pas bien possible. Mais que je vais prendre mon shake. Ton visage. Ça a grossi un peu, j'ai pris 19 livres. Ben oui. 19 livres. Tu vois des... combien t'as pris? 19. Jusqu'à date. Je vais peut-être à 20 livres sur 20. Tu vas manger encore? Ouais, ben un shake. Ok. Peut-être une shake, puis that's it. Un peu d'eau. C'était en lockdown, ça va passer après ça. Fait que dans le fond, ça fait un petit bout quand même que ce poids-là, c'est pas une expérience, parce que c'est quand même quelque chose que tu es capable de faire, mais c'est un petit test un peu, tu as dû aller voir un peu comment ça va se passer, ton énergie, ta puissance, un petit peu. Ouais, je m'inquiète pas pour l'énergie. Ça compte, tu vas pas mal. Bien performé. C'est toi qui le sais, hein? Je le sens. Je suis plein d'énergie, je suis comme une boule d'énergie qui va exploser. Dans 2 heures. Ça paraît quasiment pas à la caméra, mon bébé. On a hâte de filmer ça. Oh, yeah, je sens. On reparle à ça. Solide mâchoire. Même moi, j'étais impressionné. Je vois que je prenais vraiment avec des belles mains droites, jab au corps. Jab au corps, mains droites d'aplomb. Hein, puis il était encore debout. J'étais comme waouh. Puis à un moment donné, j'étais comme, je vais-tu me brûler, tu sais, parce que je forçais à réveiller les coups au corps, à la tête. Puis je suis comme waouh. Puis là, Mike m'a dit, ok, mais commence à partir du 8e round, commence dès le début à mettre de la pression, à mettre de la pression, à mettre de la pression. Je pense qu'il va lâcher. Puis à le poignet sur les oreilles, puis la main droite sur l'oreille. Bang, il a bien sorti. On l'entendait, hein, d'ailleurs, Mike qui te disait, ouais, fais ses arrêts. Ouais, il était temps, on va dire, je voyais dans ses yeux, là, quand que la première fois qu'il est tombé, je voyais dans ses yeux, la deuxième fois, il voulait quasiment pleurer, comme de l'orgueil, là, l'orgueil était là. J'étais comme, ah ouais, là, je t'ai eu, mon homme. Mais il était là pour se battre. Ouais, il était là pour se battre, ouais, parce que au deuxième round, il a essayé de mélanger avec moi, puis il avait quand même les mains assez rapides. Papa, il m'a pogné une couple de fois, puis... Rien de menaçant, puis je me sens vraiment plus fort dans cette catégorie-là. Quand même une certaine gestion, quand même d'énergie à faire. Ouais, ben oui, j'allais finir. Pour rien risquer. Non? Exactement, ouais, je gérais bien parce qu'il me laissait gérer l'allure du combat parce que je pouvais mettre de la pression quand je voulais, puis relaxer quand je voulais. Ça, c'est ma fan. Merci de m'écouter avec Way Production. Ah, ouais, puis Yann Tiger Management.